Voilà. Je suis là aujourd'hui pour vous donner quelques informations sur Mamadi, le putiche guinéen, un voyou. Mamadi Touré, le putiche guinéen qui est dans notre palais des nations en Guinée-Conakry. Mamadi Wayou, Belengam. Yes. Oui, vidéo, partage à Raska. Oui, partage à Raska. Naran Birin Wayenfi. Amara Belgera Fira, Amara Sourika, Menrika, Amara Baragi. Eh. Ou de trompé. Chéri Coco Benito. Et me guérir. Y avait de bagarre entre eux. Oui. Mais ils ont arrangé. Amara n'est pas parti nulle part. C'est Giba Diakité qui a mis fin sur leur combat. Et ça, c'était le souhait de Bala Samora et Idi Amin, le démon guinéen. Oui, le démon du CNRD. Oui. Tout le monde a vu la main bandée de Amara Camara sur Facebook ici. Chacun a parlé de sa manière. Mais Mamadi, c'est un barbare. Mamadi, c'est un voyou. Wallahi, Mamadi, c'est un voyou. Un fils qui mange la drogue, c'est un voyou. Mamadi vient de la fête de Cancan. Il se jette sur Mfamara. Il le prend sous sa colle comme ça, là. Comme ça, comme ça. Mais le petit n'a pas réagi parce qu'il est dans la poudre. Il se jette sur Mfamara. Mfamara s'est arrêté. Il prend la colle de Mfamara. Il le saisit très bien. Que pourquoi ils n'ont qu'à lui dire la vérité, que ça ne va pas rester sur sa tête seulement, que c'est lui qui a tué feu général Sadiba Koulibaly, que Amara n'a qu'à lui dire la vérité. Voilà. Donc après ça, les Guiba là, ils sont venus, ils ont tout fait pour enlever sa main sur la colle de Mfamara. Mfamara n'a pas à toucher Mamadi, rien. Il s'est laissé comme ça, relaxé. Jusqu'à ce qu'ils sont venus leur séparer. Après ça, Mamadi ne s'est pas calmé. Hein. Mamadi prend son cellulaire, il jette sur l'enfant. Il jette sur Mfamara. C'est Dieu qui a sauvé la tête de Mfamara. Mamadi barbare. Mamadi barbare. C'est un vrai monstre, Mamadi. Le cadre que toi, tu as nommé, toi, tu peux jeter le téléphone sur lui comme ça. Si ça, ça tombait sur son visage, déjà, le monde te connaît que tu es un assassin. Donc, il a jeté son téléphone iPhone sur Mfamara. C'est ce qui est tombé sur sa main ici. Il a touché sur ses nerfs. Vous avez vu Bloodstack hier. Blood est... Oui, le sang est resté en bas de sa peau là. C'est Mamadi Doumbouya qui a fait. Et en ce moment qu'il se jetait sur Amara, il n'y a pas ce que les autres n'ont pas fait pour leur séparer. Giba, lui, le conseille, ce n'est pas le moment de bagarre entre nous, ce n'est pas bon. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. C'est Giba Diakité qui a calmé l'histoire là. Mais jusque-là, le dérangeant face à Idi Amin, c'est Amara.
C'est la tête de Amara que Idi Amin cherche maintenant. Ibala. Parce que leur coup d'État, il faut qu'il tue d'abord Amara, après de prendre Mamadi. Pour que Idi Amin devienne président de la transition, Bala Samora devient ministre de la Défense. Et qu'on a la Guinée, un tapissier. Bala Samora tapissier. Quand ils ont condamné feu général Sadiba Koulibaly, Allah yarham, sa place devait être où? À la maison centrale. Mais Bala Samora a provoqué rapidement la condamnation du feu général Sadiba. Oui, il a fait ça exprès. Après sa condamnation, au lieu de le conduire à la maison centrale, ils ont pris feu Sadiba à la gendarmerie. À la gendarmerie, quelqu'un qui est condamné. Maintenant, il part là-bas. Bala prend Sadiba, il le remet dans les mains des petits chiens de Mamadi Wayo. Oui, c'est ce qui s'est passé. On le fait partir au palais là-bas. Jusqu'à là où les services renseignements sont là, l'étage court là. C'est là-bas que Yorobo Aboubakar Sidiki Kondé est venu. Tous ceux qui font partie du corps militaire, armé, quoi et quoi, gendarme, vous connaissez la position là. Il a mis ce général Sadiba Koulibaly à la Yaragam, un attaché chinois. Comme si les donzos partent dans la bourse et puis tuent les animaux, la manière qu'on attrape leurs pieds et leurs mains, comme ça là, après, on fait rentrer un bois long là, pour mettre le bois ici, puis l'autre aussi met sur son épaule pour partir. C'est comme ça. Voilà. Je m'en. Après, c'est pas le Yoruba même qui a dit à Sadiba que si tu ne dis pas la vérité, tu vas cracher le sang. Ils ont commencé à le frapper, à le frapper, à le frapper, à le frapper. Bala est venu terminer tout. C'est comme ça. Mamadi, il y a quoi maintenant à te dire? Je t'ai dit depuis l'année passée, laissez ce monsieur-là tranquille. Depuis le temps de choses Moufassouri, je vous ai dit, laissez le monsieur-là en paix. Il ne fera jamais de coup d'État. Il n'y a pas de contact entre lui et Alpha Condé. Il n'y avait pas. Si la nouvelle-là allait sortir avant sa mort, moi-même, je pouvais faire deux vidéos, trois vidéos pour que le professeur Alpha Condé s'adresse. Il n'y a pas de contact entre eux depuis la chute du professeur Alpha Condé. Il n'y a pas de contact entre lui et ses militaires-là, non. Il n'a pas confiance en personne maintenant, là où il est. Mettez-vous à sa place. C'est comme toi-même, Mamadi Doumbouya. Même les Namori là, Alpha ne leur parle pas. Les Aboulé Komandou Faré là, lui-même, avec son papa, il a eu des problèmes. Aboulé Komandou Faré, les gens se sont levés pour aller prier son papa, de demander pardon.
Abner Commando Faré pouvait quoi? Rien. Pour sauver sa tête, il a été le dernier, la dernière personne à se rallier à chose à CNRD. Tout ça, c'était pour sauvegarder sa vie. Mais son papa n'a pas compris. Sinon, j'ai bien expliqué ça. J'ai bien expliqué ça. Avant que même l'histoire du feu général Sadiba commence. Avant que même mon Fassou le sort ici pour parler sur l'écran, sur le toit. Aboulef Commando Faré, quand il est descendu, il a pris. C'est Baba Barila qui a pris le téléphone, appelé Mamadi. Oui, en lui disant que Commando Faré est rentré dans Kaloum. Immédiatement, toi, Mamadi, tu as pris le téléphone pour appeler Aboulef Commando Faré. Ah, Koro. Et dit la mollagi, abattoir là, j'ai le colis. C'est comme ça s'est passé. Et Aboulef Commando Faré a eu des problèmes. Il a eu des problèmes sérieux. Parce que son papa préférait voir Aboulef Commando Faré mourir pour la chute du professeur Alpha Condé. Au lieu de le voir servir CNRD. Mais son papa n'a pas compris. Boulaye a fait ça pour sauver sa vie. La formation pour qu'il l'a fait sortir là, c'est pas CNRD qui a payé ça. Avant la chute du professeur Alpha Condé, Aboulef Commando Faré, j'ai dit dans mon interview avec Tidiane, la puissance, allez-y fouiller la vidéo. Aboulef Commando Faré devait sortir. C'était déjà payé. Ça a tombé sur la chute du professeur Alpha Condé, président Alpha Condé. Oui. Donc, le problème de Amara, c'est Giba qui a fixé. Giba Diakité. Yo. C'est lui qui a fixé. Homme content tout le temps. Tu le vois, il est souriant. Homme content. Lui, je le surnomme comme ça. Partout, lui, il sort, il est en train de sourire. Giba Diakité. C'est lui qui a fait, mais fin sur l'histoire entre Mamadi Voyou et Mfamara. Donc c'est ce qui est passé. Mais Mfamara n'a pas pris la fuite, il n'est pas parti nulle part. Il est là-bas. Mais sa main là, c'est Mamadi. Mamadi, le fils de Manula. Mamadi, c'est Mamadi qui a jeté son téléphone, iPhone. Sur une femme mara. Dieu lui a sauvé, ça n'a pas touché son visage. Le téléphone est parti tomber et sur sa main. Voilà la tâche. Voilà la tâche qui était là. Parce que le téléphone a touché ses nerfs. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. C'est comme ça qu'il a fait à Paikounsare aussi. Quand il est allé au Sénégal, ces petits chiens-là sont allés se jeter sur Paikounsare aussi. Mais lui, il a... Paikounsare a mis ses dents sur sa peau là. Jusqu'à ce qu'il est venu sur sa page là, en vidéo. Il a levé la viande de ce chien-là dans sa bouche. Mamadi, mon yuma et mon yuma koule kela. Walla et mon bado. Et mon ba koule kela. Mon infana et mon koule kela. Et t'es échangé là. Tu es un voyou vrai. Tu es un voyou vrai. Un voyou. Drogué. Toi, tu peux prendre le téléphone et jeter. Sur ton subordonné. Si ça
ça touchait son visage ou ses yeux, qu'est-ce que tu allais dire? Pourquoi même vous avez arrêté Sariba? Mourisanda Moudjou, Ouyafola, voilà les clans de Lansana Kouyaté et Idi Amin. Mamadi, Mouami Latina, Idi Amin dit Latina, Fundi Wito Matombo. N'est-ce pas? Idi Amin. Mais Idi Amin, il t'a mis un coup d'état, je ne sais pas si je suis un homme qui a été un homme. Je ne sais pas si je suis un homme qui a été un homme. Je ne sais pas si je suis un homme qui a été un homme. Je ne sais pas si je suis un homme qui a été un homme. Allah yarham annou feu noble président lansana konta ma yam faloko kirim yo ama yam faloko kirim ama yam faloko kirim yo na falaka ne ube avance amour mode masaragane amarayati na kulu ama kulu yo petit yamara ma kulu. Dunia, dunia mukuluma. Idi amini bara ibi makari na dusumi itana ukuna. Iha point de départ tumbukui, meni yensema. Akulunfa maiki nene tumbu nene tumbu nene tumbu. Meni na prema mbangi nambela katima mbangi ma. Ena kira meni na kuidinya. Ba meni fana yirebete, meni fana sema yirefiringbete na na. Et ta de ta modèle ma mère ma madiri abadan ifi na kan na ba khala gine dadi se na geli na kan ku iki e ga fe manipuler na bilna ma madimi kulu ala gine arme mo ndu kulu onu fa woni ya kana ma wali la ba mo ga bo khima. Il n'y a pas de fari. Il petit samoura sa na khlima. Ou se ga wosa wali biri na fala. Wasa akatu meni. Kama yen. Landria. Fouta bonanira. Idi amin. Ima kulu mera nya kula gine kama fui fira maga. So se la masi na mbuibe. Ima kulu mera nya kula gine kama. Fui fira maga. Yo. Fui fira maga. Sal boulo big bed en yufi kona kreta nara. Mais fawa mamara nan fwa fi. Nata mouye kumera. Wono mbala samura. Wallahi amouye kumura. Wode kanyama. Itan Idi Amin lansana kumara kabine kumura lansana kuyati Mamadi ra ex premier ministre be ajalu ko ha miti ba dani nyetu ngu sa kanu su de la ile dun ti khadin na reki ndemo kulum ndemo kulum ito girisi ka Côte d'Ivoire isa far mercenaire na khira. Et d'un arrêt, nous n'avons pas femme, ma couleur de l'homme au phare et nous fanons, 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 fanons. Mon prince, mon fafi, on t'en a raisagni. On t'en a raigné, on t'en a raisagni. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.